qu'il existe ici des voitures qui sont incroyables, qui n'existent même pas. C'est les concept cars. À quoi ça sert les concept cars ? Mais c'est incroyable. C'est le sapin Noël en dessous, il y a cette voiture. Regarde les gens là autour. Tout un paquet de tagada. Et même les petits, ils commencent tôt, hein. Ça va? Je vous dérangeais pas? Pour toi, ça sert à quoi les concept cars comme celle-là? Je sais pas trop. Ça fait rêver quand même. Ouais. Mais c'est cher. C'est cher? C'est ça le problème. Mais ça va, papa peut-être peut t'offrir une voiture comme ça, non? Non, il a déjà une Ford Mustang, donc... Un concept car, c'est aussi fait juste pour rêver et pour montrer le talent des designers des marques, un peu. Faire rêver, l'avenir de l'automobile. Ça préfigure ce qui va se passer sur l'automobile de demain. J'espère qu'un jour, on roulera dans des voitures un peu... dans des vraies voitures du futur, ouais, quand même, ouais. J'adore les couleurs des 60, les années 60. On m'expliquait que c'était plus par rapport à l'amour entre le masculin et le féminin, mais enfin, je la trouve très très belle. J'aime beaucoup le mélange des textures et puis le contraste entre ce qui brille et puis ce qui est plutôt mat. Je me demande si je n'ai pas déjà vu un peu le concept car en question, là, mais bon. La magie de le concept car. Only you can make the world seem right. Only you can make the darkness bright. En tout cas, les concept cars, ils sont innovants, ils sont technologiques, ils sont belles, ils sont moches. Mais le plus important, elles font rêver. Elles font rêver du futur.